Serendipity est un mot anglais difficile à traduire, mais que l'on pourrait résumer par le fait de cultiver les heureux hasards, ou en d'autres termes, rester ouvert et attentif aux synchronicités de la vie. Je suis Mélanie, naturopathe et thérapeute spécialisée en fertilité féminine, et je suis moi-même confrontée à l'infertilité inexpliquée depuis plus de 8 ans maintenant. Ma philosophie est que tout arrive pour une raison, et que tout est juste, en dépit des apparences. Je pense que chaque épreuve peut être vécue comme une opportunité de grandir, de remettre de la conscience dans nos vies, et de renaître. Dans ce podcast, je reçois des femmes qui ont réussi à transcender leurs difficultés à devenir mères pour se reconnecter à elles-mêmes et retrouver confiance en un avenir joyeux. Deux fois par mois, je vous donne rendez-vous pour découvrir un nouveau témoignage, grâce auquel, je l'espère, vous vous sentirez moins seule, réconfortée et peut-être même déculpabilisée. Bienvenue dans Serendipity, le podcast qui vous aide à vivre votre chemin vers la maternité de manière plus sereine et positive. Pour ce 8e épisode, Audrey a accepté de nous parler de son parcours et de ses difficultés pour devenir mère. Ça fait 3 ans qu'elle et son chéri ont commencé à parler de ce projet bébé, 3 longues années au cours desquelles elle apprend qu'elle est atteinte du syndrome des ovaires polykystiques et que son conjoint a des anticorps antispermatozoïdes. Les médecins leur parlent alors de la FIVICSI. Malheureusement, on lui fait comprendre qu'elle doit d'abord perdre du poids pour avoir recours à la PMA. Elle décide alors de se faire accompagner par une hypnothérapeute et réussit à perdre de nombreux kilos. Et quand enfin, en début d'année, leur dossier est validé par la commission PMA, le confinement met un nouveau coup d'arrêt à leur projet. Elle utilise alors cette période pour se reconnecter à elle-même et faire la paix avec son corps. Audrey le dit, elle a perdu une partie d'elle-même avec la PMA. Mais ce parcours la pousse également à se remettre en question et à creuser plus loin pour trouver le positif au-delà de tout ça. Parce qu'au final, même si c'est parfois compliqué, elle s'est promis que son bonheur ne dépendrait pas de ce projet bébé. Audrey m'a confié que le 8 était son chiffre porte-bonheur. Le hasard, ou plutôt la vie, puisque ni elle ni moi ne croyons au hasard, a fait que son témoignage est le 8e épisode de ce podcast. Et j'espère de tout cœur que c'est un joli signe annonciateur de belles nouvelles pour toi, Audrey. Bonjour Audrey, je suis ravie de te recevoir dans le podcast, j'espère que tu vas bien. Bonjour Mélanie, oui, merci de me recevoir et oui, ça va très bien, merci. Bon bah écoute, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Donc moi c'est Audrey, j'ai 33 ans, je bosse dans l'administratif, j'habite en Bretagne, dans le Finistère Sud, et je suis avec mon chéri depuis à peu près 4 ans et demi. D'accord, ok. Et est-ce que tu peux nous parler de ton désir d'enfant, donc à partir de quand tu as eu envie d'avoir un enfant? Est-ce que c'est depuis toujours que ça t'habite ou est-ce que c'est plus récent? En fait, je pense que ça m'habite depuis toujours parce que pour moi, c'était évident. Enfin, je me suis jamais posé la question, est-ce que tu as envie d'avoir des enfants? C'est de moi depuis, depuis toujours, c'était une certitude. J'ai un côté maternel assez développé. Et puis du coup, ça s'est vraiment concrétisé avec Erwan, mon chéri, donc il y a un peu plus de 3 ans, parce que j'ai arrêté la pilule en mars 2017. Donc, on a décidé à ce moment-là de faire un bébé. D'accord, ok. C'était un désir qu'il avait lui aussi ? Oui. Alors, lui, précédemment, il avait été dans une longue relation. Et déjà, ça avait été un projet qui a été avorté. Donc, lui... Après, je pense qu'il a vraiment attendu. Enfin, c'est moi qui ai lancé l'idée entre nous, quoi, j'ai envie de dire. D'accord. Et bah, est-ce que tu peux nous raconter les débuts, dans ces cas-là, du temps où vous pensiez que ce serait peut-être simple? Ouais, c'est ça. J'ai arrêté la pilule en mars 2017 et en fait, très vite, j'ai senti que ça n'allait pas, en fait. D'un coup, il se passait des choses dans mon corps et je comprenais vraiment pas ce qui se passait. Quand je dis D'accord. ça, c'est-à-dire j'ai eu en fait des fortes douleurs au niveau du bas-ventre et des ovaires. Mais c'était quasiment quotidiennement, en fait. Ah oui. Et en fait, j'ai eu mes règles la première fois après l'arrêt pilule, 3 mois après. Donc, je me suis dit, bon, ben, voilà. Après, souvent, on se dit, allez, la pilule, il faut le temps que le corps se remette, etc. Sauf que, 3 mois après, j'ai eu mes règles, mais j'avais toujours ces douleurs. Et, vraiment, je reconnaissais plus mon corps, quoi. J'ai laissé quand même les choses continuer comme ça. J'ai eu mes règles donc tous les 3 mois en fait jusqu'à ce que je me décide à aller voir un gynéco.
D'accord. Et donc j'ai pris rendez-vous avec une gynécologue en décembre 2017. Bon, faut savoir que moi jusque-là, je n'avais jamais été chez une gynécologue. Ça paraît étrange à mon âge, mais en fait, bon, après, j'ai toujours eu un rapport plutôt compliqué avec mon corps. Et puis, clairement, le médical, c'est pas trop mon dada. Donc, si je pouvais éviter, on va dire que voilà, je m'en passais très bien. Donc c'est ton médecin qui te prescrivait ta pilule depuis l'adolescence, quoi. Ouais, en fait, c'est ça. Ouais. D'accord. J'ai juste fait peut-être une ou deux prises de sang, histoire de voir si ça allait, et c'est tout, quoi. Et donc, quand j'ai été voir la gynéco, elle m'a, bah déjà, enfin, elle a été surprise, hein, que je lui dise que c'était la première fois que j'allais. Et en fait, ça s'est pas forcément très bien passé, enfin, pour moi, en tout cas, je l'ai pas forcément bien vécu, dans le sens où, de base, j'y allais pas parce que j'étais pas encore enceinte. J'y allais parce que, bah, je comprenais pas ce qui se passait dans mon corps, quoi. Bien sûr. Et en fait, elle, ce qu'elle a retenu, clairement, c'était que j'étais, enfin, voilà, pour elle, parce que j'ai pleuré, en fait, à ce rendez-vous-là, enfin, moi, ça faisait 6 mois, enfin même plus, ça faisait 9 mois en fait que c'était le bordel dans mon corps. Et puis il faut savoir aussi qu'à ce moment-là, niveau perso, c'était un peu compliqué au niveau de mon travail. Donc j'étais vraiment pas dans un bon mood, on va dire. Et donc elle, ce qu'elle a retenu, voilà, c'était que j'étais pas enceinte, donc que je n'allais pas bien. Et en fait, elle m'a fait faire une écho. Et puis bah là, je l'ai vue, elle a commencé à compter. Franchement, j'étais encore en dehors de tout ça, donc je me disais, bah, qu'est-ce qu'elle compte. Et en fait, donc rapidement, elle m'explique que bah il y a beaucoup de follicules, que elle soupçonne un syndrome des ovaires polykystiques, mais qu'elle m'a dit que ce sera confirmé avec une prise de sang. Ok, elle te dit ça comme ça, toi tu savais absolument pas de quoi elle parlait, tu t'étais pas renseignée sur tout ça? Pas du tout, pas du tout. Non, pas du tout. Enfin, je connaissais pas le syndrome des ovaires polykystiques. Et d'ailleurs, même en sortant de ce rendez-vous-là, franchement, Oui, je t'en n'en savais savais pas plus. non. Elle m'a juste expliqué, enfin voilà, la base, c'est que, enfin, du coup, c'était plus compliqué d'ovuler parce que, ben, il y avait tellement de follicules que, du coup, elle me disait qu'en gros, mon cerveau ne savait pas en choisir un tous les mois, et ce qui faisait que, ben, voilà, j'avais des cycles qui venaient tous les 3 mois. Et donc, ensuite, j'ai fait ma prise de sang, et puis, ben, en fait, j'ai reçu par courrier un courrier de sa part disant que, ben, effectivement, elle confirmait que j'avais bien le syndrome des ovaires polykystiques. Et je crois que d'ailleurs, à ce moment-là, en fait, la prise de sang, bah, c'était sans doute la prise de sang hormonale de base et qui était à faire à un moment précis du cycle. Et en fait, moi, c'était tombé le lendemain de Noël. Et donc, elle avait D'accord. aussi demandé le cholestérol et la glycémie, qui forcément n'étaient pas bonnes. Et donc, dans son courrier aussi, elle me disait qu'en gros, j'avais un risque de diabète et que mon cholestérol était trop élevé. Et quand je suis retournée la voir, enfin, en gros, j'ai eu l'impression, franchement, d'être la grosse qui n'arrivait pas à tomber enceinte. Ah ouais. Enfin, je me suis sentie extrêmement mal dans mon corps et dans ma tête à ce moment-là, parce qu'en fait, avec elle, ouais, elle m'avait déjà un peu parlé de mon poids, et vraiment, avec elle, j'ai eu l'impression de me sentir comme une grosse merde, entre guillemets, hein. Et du coup, ça a été un petit peu compliqué à gérer sur le coup. J'imagine, ouais, effectivement. Et du coup, ouais, elle est restée en fait avec ses résultats qui ont été faits à une période quand même un peu particulière. Ouais. Elle n'a pas souhaité les refaire à une autre période. En fait, non, enfin, pas forcément, sauf que je crois que, je sais plus, j'avais dû reprendre rendez-vous avec elle, mais du coup, entre-temps, j'avais été voir une sage-femme aussi, parce que bah, j'étais un peu perdue avec tout ça, et puis, enfin, ouais, je restais bloquée sur le fait que pour elle, enfin, voilà, c'est quelqu'un sans doute qui prenait pas soin de soi, enfin, je sais pas comment vous dire comment je l'ai ressenti, Ouais. et du coup, j'étais allée voir une sage-femme, d'ailleurs, adorable, elle m'avait un peu réconciliée à ce moment-là avec le côté médical, et donc elle m'avait fait refaire une prise de sang, et enfin là voilà, il n'y avait aucun problème, tout était redevenu à la normale, quoi. Ouais. Mais il a fallu quand même que j'insiste à ce niveau-là 2 3 fois avec la gynéco, parce qu'à chaque fois elle relisait sans doute tout depuis le début, elle voyait ça, et je lui disais non, mais en fait, je vous rappelle que j'ai fait cette prise de sang-là le lendemain de Noël, donc forcément c'était faussé. Ouais. Elle s'était mise une idée en tête et puis elle voulait pas revenir dessus, quoi. Ben ouais, c'est ça. Et du coup, enfin, moi, ça m'a renvoyé une image de moi. Enfin, déjà que j'avais pas forcément très confiance en moi à ce moment-là. Comme je te disais, voilà, j'étais dans une période un peu délicate. Sachant que, ouais, en fait, en 2018, je fais des petits apartés parce qu'en fait, enfin, pour moi, j'ai vécu deux combats, entre guillemets, en même temps. Ouais. Mais du coup, en février 2018, j'ai fait un burn-out, en fait. Je me suis arrêtée. Enfin, je travaillais, ça n'allait pas. Et puis un jour, enfin, j'étais en congé en plus. Et j'avais pris rendez-vous avec une psychologue que j'avais déjà vue par le passé, parce que je sentais que voilà, ça n'allait pas. Et en fait, à partir de ce moment-là,
ben, ma vie a pris un autre tournant parce que du coup, je me suis retrouvée arrêtée pendant quelques mois. Où là, justement, ben, j'ai. En fait, au lieu de prendre des traitements ou des choses comme ça, parce que tu sais, quand tu as un coup de mou, on a tendance à te prescrire, tu vois ce que je veux dire. Et enfin, moi, c'était hors de question. Parce qu'en fait, je sentais que tout, en fait, le côté boulot et le côté désir d'enfant, enfin, je sais que ça remuait des choses profondes en moi et que je voulais, enfin, je voulais expulser de moi, enfin, je voulais ressortir ces choses-là et qu'on n'en parle plus. Donc, je voulais avancer dans le bon sens, quoi. Et donc, en fait, donc la gynéco, pendant ce temps-là, elle m'a dit, bon, ben, on se laisse quelques mois pour voir où ça en est, on prend le temps, parce que de toute façon, on n'allait pas me faire faire, je pense, d'examens complémentaires. Tant que ça fait pas, je sais pas, un an au moins qu'on essaye d'avoir un enfant. En parallèle, ben j'ai vu une psychologue plusieurs fois, mais c'était plus lié à mon travail. Et en fait, j'ai eu aussi un jour, on m'a donné le contact d'une magnétiseuse qui habite pas très loin de chez moi. Et je suis allée la voir, et en fait, ça a été un peu la révélation. Enfin, c'était assez incroyable, surtout, je repense à la première séance où. En fait, c'est là que je me suis rendu compte que je suis hyper réceptive à ces choses-là. Parce que, enfin, physiquement, je ressentais. Elle me touchait pas, hein. Elle posait ses mains au niveau de mon ventre ou elle était venue aussi au niveau de ma tête. Et j'ai senti, mais en fait, à chaque fois, j'ai pleuré, mais d'une force. C'était douloureux. Parce que ça me faisait presque mal physiquement, en fait, ces pleurs-là. Je sentais que ça venait vraiment de loin, quoi. Ça me fait des frissons. Ouais, mais moi aussi, tu vois, je suis un peu émue parce que, enfin, après, je t'en reparlerai parce que je l'ai vu dernièrement et c'était assez fort encore, mais pardon, du coup, je suis vachement émue. Mais du coup, enfin, ça m'a fait vraiment, vraiment du bien parce que j'ai ressorti des choses et suite à ça, du coup, au niveau boulot, j'ai pris un nouveau tournant parce que j'ai changé de service et puis du coup, c'était un peu une. Je revivais un peu là. Côté professionnel et puis ben après j'ai décidé de retourner voir au bout d'un moment ma gynécologue et donc à chaque fois en fait j'y allais toute seule parce que pour moi à partir du moment où elle m'avait dit que j'avais des ovaires polykystiques et que donc c'était un peu enfin plus compliqué qu'une femme lambda on va dire pour avoir un enfant dans ma tête c'était moi le problème et en fait jusque-là ben enfin je voyais pas j'y avais même pas pensé en fait au fait que Erwan mon compagnon vienne avec moi au rendez-vous. Et je sais que elle, en fait, elle avait dû m'en parler une première fois. Je m'étais dit, bah ouais, cause toujours. En plus, enfin mon compagnon, il a un métier, enfin il est marin pêcheur, donc niveau disponibilité, c'est pas le métier le plus facile pour ça. Et donc j'étais retournée parce que du coup, je me suis replongée un peu dans mes examens, tout ça, mais j'étais retournée en décembre 2018 la voir. Du coup, donc en fait, un an après mon premier rendez-vous avec elle. Et puis bah effectivement j'étais toujours pas enceinte. Hein. Et t'as pas pensé à changer de gynécologue vu que le feeling ne passait pas vraiment en fait? En fait c'est venu plus tard que j'ai eu envie d'aller voir quelqu'un d'autre. Ouais. Mais là à ce moment-là non parce que enfin en fait j'étais loin encore de m'imaginer aussi le parcours qu'on aurait à Oui, vivre bien entre sûr. guillemets. Enfin en fait quand j'y repense maintenant et que je me vois aller à ces rendez-vous. Enfin j'étais je vais pas dire à côté de mes pompes mais j'étais pas enfin je sais pas c'est très bizarre Tu en te fait je me laissais laissais porter par guider le quoi médical aussi, oui. ouais mais, ouais en plus oui c'était vraiment pas mon truc donc je me suis dit bon elle bon c'est je suis pas hyper à l'aise mais bon de toute façon peut-être que je le serai jamais en fait avec aucun. Oui, c'est ça. C'est que oui, comme tu avais cette gêne entre guillemets avec le médical, en fait, tu ne t'es pas dit que ça venait d'elle, mais plutôt de toi entre guillemets, Oui. avec le fait que tu sois pas en accord entre guillemets avec le médical, quoi. Ça, et puis enfin en fait comme je t'ai dit comme elle m'avait fait me sentir mal et que je savais que j'étais mal dans ma vie à ce moment-là enfin voilà ouais c'était tout un ensemble de choses qui ont fait que je suis restée et du coup à ce moment-là là elle nous a prescrit des examens complémentaires elle m'a donné un spermogramme pour monsieur et d'ailleurs enfin je en fait nous on s'est pas du tout imaginé que lui puisse avoir un problème puisque dans son histoire passée, ils avaient déjà eu le projet bébé et en fait il avait déjà fait un spermogramme parce que voilà ça fonctionnait pas non plus et on lui avait dit qu'il était bon. Donc enfin en gros nous on s'inquiétait pas du tout de ça. Et donc moi j'ai eu la fameuse hystérosalpingographie. Celle qu'on adore.
Ouais, mais c'est, enfin, en fait, ouais, je m'attendais pas du tout à ce genre d'examen. Enfin, je savais pas ce que j'allais ressentir, parce qu'à ce moment-là, j'allais pas sur Internet, pas trop. Ouais. Donc, je savais pas trop à quoi m'attendre. Et ouais. En fait, j'ai eu l'hystérosalpingographie et j'ai eu l'hystéroscopie aussi. Et pour moi, ça a été la Ouais. même chose. Et je crois que pendant les deux fois, j'ai lâché un gros « la vache » pendant que j'avais mal parce que c'était une douleur intense quand même. Hein. Ouais. Bah après, on est toutes différentes, c'est vrai. Faut pas faire peur à celles qui qui doivent en passer dans peu de temps. Ouais, Mais c'est c'est ça. vrai que, bah c'est, enfin, ça reste un examen quand même pas très agréable physiquement. Et puis bon, voilà, dans la situation, c'est jamais de toute façon très agréable. Mais suivant les personnes, ça peut être douloureux. C'est pas Oui, une c'est pas une règle règle. Non, absolue. non, non, bien sûr. Ouais. Mais bon, voilà. Toi, en tout cas, ça n'a pas été très agréable. Non, voilà, je le qualifierais pas comme ça. En tout cas, après, si je devais le refaire, je referais. Hein. Donc, ça va. Je Oui, suis pas traumatisée. c'est sûr. Donc, elle m'avait dit, par contre, au prochain rendez-vous, je veux voir monsieur. Ah, d'accord, c'est bien. Ouais, là, elle m'avait dit, et bon, je m'étais dit, ouais, effectivement. Et entre-temps, en plus, de toute façon, j'avais reçu le résultat de son spermogramme, et là, je m'étais dit, hop, 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 il y a quelque chose, il y a un truc qui Ah, va pas. d'accord. Toi, tu l'avais vu, ouais. Ouais, j'avais vu, parce qu'en fait, ça me mettait que c'était un spermogramme normal, mais elle avait demandé de faire une recherche de migration et de survie. Oui. Et en fait, on voyait que je crois qu'il y avait plus de la moitié qui mourait assez rapidement, en fait. Ouais, d'accord. Et ce qu'elle nous a confirmé, en fait, quand on est allé la voir, elle nous a dit en fait qu'il présentait des anticorps antispermatozoïdes, donc en gros, une grosse partie s'autodétruisent. Et par contre, ce qu'elle disait, c'est que normalement, c'est lié à une infection ou quelque chose. Et en l'occurrence, ben, mon compagnon n'a rien eu de Oui. significatif. Donc en fait, on saura jamais D'accord. pourquoi c'est comme ça. Mais c'est vrai que du coup, nous, enfin, ça a été un choc parce que bah, moi, je savais que voilà, j'avais un truc qui n'allait pas. Mais enfin, lui, on s'était jamais dit que c'était possible que lui Et aussi. du coup, elle s'est arrêtée à un spermogramme ou il a dû en refaire un deuxième? Parce que souvent, il ne s'arrête pas pour conclure en Non. fait avec un seul spermogramme. Ouais, non, il a dû en refaire un 3 mois après. Oui, c'est ça. Et en fait, ça a confirmé hein, que c'était la même D'accord, chose. c'était. Ouais. Ok. Et donc on a dû faire aussi les caryotypes. Et parce que là, Oui. enfin, clairement, elle nous avait dit que si ça s'avérait voilà, être. Enfin, le spermogramme, si le second résultat était le même, il faudrait sans doute qu'on passe par la PMA. Et donc là, on a eu le caryotype à faire. Et puis, bah, donc moi, j'avais fait l'hystéroscopie aussi. Et bah, pas de souci pour moi à ce niveau-là, en tout cas. C'était une gynécologue spécialisée en PMA ou pas du tout? Ouais, mais c'est. Enfin, ouais. Oui. En fait, d'un côté, tu vois, je me dis que j'ai eu de la chance parce que oui. Dès le départ, oui. Ouais. Mais tu l'avais choisie parce qu'elle était spécialisée en PMA ou c'est un hasard? C'est un hasard, mais bon, comme je crois pas au hasard, des fois, Oui, je on s'entend. me dis Je suis d'accord, mais en tout cas, ça ne s'était pas fait consciemment. Non, pas du tout, ouais. Non, non, j'avais demandé un rendez-vous parce que, en fait, je vais dans un. La voir comme ça, en consultation, je vais dans un hôpital qui est proche de chez moi, mais elle exerce sur un autre hôpital, enfin, en fait, ils sont partenaires. Et donc, D'accord. elle vient dans le petit hôpital que quelques jours comme ça. Donc, en fait, j'avais eu, voilà, la chance de tomber sur elle, quoi. D'accord, ok. Et donc, là, on était en février 2019 quand on a su. Quand on a su que bon, possiblement on irait en PMA, et en fait ça a été confirmé donc en mars 2019, où Ok. le dossier était passé en commission, et puis enfin vu nos problèmes entre guillemets, on passerait directement à la FIVICSI. D'accord. Comment vous avez vécu cette annonce? Oh bah pas bien. Pas bien parce que enfin en fait j'étais ouais. Alors, je te dis à l'époque en fait j'allais au rendez-vous, tu vois, l'hystérosalpingographie, l'hystéroscopie, tout ça, j'y allais, mais en fait je pense que j'avais pas encore conscience de. Bah que vraiment on devrait aller en PMA et pourtant Ouais. le temps passait hein, le vrai c'est vrai le enfin il se passait rien de côté grossesse mais je pense qu'on se voile un peu la face à ce moment-là et le jour où on nous dit que bon bah ça va être ça c'est un premier choc et en fait moi aussi enfin ce qui m'a fait mal c'est que la condition pour accéder au traitement c'est qu'il fallait que je perde du poids c'était D'accord. la condition sine qua non donc en fait à chaque fois elle me parlait de mon poids et en fait ouais, c'était difficile parce que pour moi, la maternité et le poids, ce sont enfin deux choses quand même douloureuses de mon histoire. Ouais. Le poids, ça a toujours été un combat, entre guillemets. Enfin, j'ai passé ma vie à faire du yo-yo. Ouais. Donc, ouais, enfin, j'ai pris vraiment une grosse claque. Ouais. Et puis, je pense que j'étais un petit peu dans
dans le déni. Enfin, j'ai un petit esprit contradictoire. J'ai tendance, des fois, quand on me pique sur quelque chose, à vouloir faire l'inverse. Et donc, il m'a fallu quand même quelques mois pour vraiment me dire que bah, il allait enfin, falloir que je perde vraiment du poids, en fait. Que c'était imposé, mais en même temps, je sais que d'un côté, c'était pour mon bien aussi. Donc, il m'a fallu un petit temps d'adaptation. J'ai vraiment pris les choses en main en juin 2019, tu vois. D'accord. Il m'a fallu quelques mois et pareil, en fait, j'étais dans la même démarche que par rapport à mon boulot, etc. Quand ça n'allait pas, c'est que je voulais, enfin, cette fois, je voulais faire les choses vraiment bien parce que justement, le yo-yo, j'en ai eu marre. Je pense que mon corps a été plus que malmené et puis du coup, je voulais que les choses se fassent sur du long terme. Ouais. Et donc là, à ce moment-là, j'ai décidé d'aller voir une hypnothérapeute. Ah, d'accord, très bien. Ouais, parce que ben, en fait, j'étais dans la continuité, hein, tu vois, parce que je voyais la magnétiseuse de temps en temps, bah, par rapport aussi à mon projet bébé, hein, clairement, parce que j'avais des gros coups de mou. Et puis l'hypnothérapeute, je me suis dit que, vu que je sentais que j'étais réceptive à ce genre de choses, je me suis dit que j'allais tenter. Et j'en ai trouvé une, en fait, pareil, pas très loin de chez moi, qui, en fait, elle marche par rapport à la chrononutrition, donc comme mode de régime alimentaire. Donc je voulais voir ce que c'était, ça m'intéressait, et en même temps, voilà, elle proposait des séances d'hypnose pour travailler sur tout ça. Et ça, pareil, j'ai trouvé ça hyper intéressant. J'ai dû aller la voir, je pense, 3 fois. Et en fait, j'ai trouvé ça vachement intéressant parce que, en fait, quand elle me pratiquait ces séances d'hypnose, j'étais là, mais en même temps, sans doute que, enfin, elle devait toucher le plus profond de moi parce que, pareil, en fait, elle parlait, elle me donnait des images en tête. Et je me souviens d'une fois, je sais plus ce que c'était comme image, mais j'ai senti les larmes couler. C'était impressionnant. Ouais, t'es en état de conscience modifié et du coup, ça atteint vraiment ton inconscient. Et ouais, moi, j'en ai fait beaucoup aussi. Et c'est assez... quand t'arrives vraiment à lâcher prise, c'est assez perturbant parce que, comme ouais. Tu dis, t'es là, mais en même temps, t'es pas là, quoi. Mais c'est ça. En fait, tu te dis... tu sens que tu pourrais bouger. Mais en même temps... Mais t'as pas envie. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est exactement ça. Et ouais, j'ai trouvé ça assez incroyable. Et en fait, ça m'a fait beaucoup de bien. Et du coup, ça m'a permis bah, de relancer la machine par rapport à ça. Et du coup, j'ai réussi à perdre, enfin, à l'heure d'aujourd'hui, 18 kilos. En adoptant aussi le régime. Ouais, merci. Moi, j'avoue, je suis un petit peu fière quand même. J'ai le droit de... Bah, tu peux. Tu peux l'être. Il m'a fallu du temps et il m'en faudra encore pour parce que voilà, c'est pas fini, hein. Il faudrait que je enfin moi à titre perso, il faudrait que je perde encore, mais c'est vrai que là j'ai l'impression pour l'instant de tenir sur la durée et du coup de mieux gérer mon corps aussi et enfin ça reste important pour mon projet bébé, donc c'est plutôt bien sûr. Et entre-temps, alors je sais plus quand est-ce que j'étais allée, mais en fait ouais, la question, ça devait être à peu près à cette période-là, je pense, où j'ai commencé à perdre du poids, mais où j'ai voulu prendre rendez-vous, parce que je travaille sur Quimper, en fait, et mon centre de PMA est à Lorient, dans le 56, mais je sais qu'il y a aussi l'hôpital de Quimper qui fait des traitements, et donc j'avais pris rendez-vous avec un gynéco là-bas. Parce que, enfin, clairement, je me sentais pas à l'aise avec la mienne, en fait. Ouais. Sauf que, comme mon dossier avait été staffé à Lorient sur les FIV, à Quimper, en fait, ils ne font que les inséminations. Et donc, il aurait fallu que j'aille plus loin, beaucoup plus loin, pour faire les FIV. Et c'est vrai que le gynéco m'avait dit, il me dit, je comprends, hein, peut-être que ça, voilà, vous êtes pas à l'aise. Mais il me dit, en vrai, enfin, votre dossier, là, il est prêt, il n'y a plus qu'à. Et ouais. Il m'avait dit aussi, enfin, de toute façon, concrètement, en gros, la gynéco, vous la verrez pas plus que ça, quoi. Donc il m'avait un petit peu perturbée et je m'étais posé la question. Il m'a fallu un petit temps de réflexion et en fait j'ai dû avoir un rendez-vous avec la gynéco sans doute à peu près aussi à la même période. Et là en fait je lui ai déballé ce que j'avais sur le cœur et ça m'a fait beaucoup de bien. Du coup en fait on a échangé toutes les deux et je me suis dit que bah, finalement je pense que c'est moi comme j'ai commencé, j'étais dans un mauvais mood, j'avais une mauvaise vision de moi, enfin voilà. Et je me suis sentie jugée alors que, bah, après, elle, je pense qu'elle juge que au niveau médical en plus. Je braquais dès le départ et puis. Bah, peut-être qu'elle était un petit peu indélicate aussi et que ça. Oui. Voilà, t'étais pas prête à l'entendre comme ça. Enfin, ça a touché une blessure aussi en toi. Donc, Ah oui, clairement. Mais bon, c'est bien aussi de le voir comme ça. Non, je dis, en fait, à un moment, je me suis dit aussi, enfin. Ce que je veux de toute façon, c'est avoir un bébé. Après, à partir du moment où quand même j'ai confiance en son travail, en son côté pro, bon bah, faudra que je fasse avec.
avec le enfin voilà, prendre sur moi pour ne pas prendre trop les choses à cœur non plus et me forcer à prendre du recul. Et donc bah enfin après c'est en janvier 2020 que bah là par rapport à ma perte de poids etc elle m'a dit bon bah là c'est bon on va au traitement quoi. Et donc là pour moi c'était le Graal hein. Je me suis dit depuis le temps ouais. Parce qu'en gros après il fallait quand même, il y avait le rendez-vous avec le biologiste, avec la psychologue et avec la sage-femme avant de commencer quoi que ce soit. Et pareil, bah, les délais, on ne les a pas forcément comme ça, les rendez-vous. Donc normalement, j'aurais dû avoir rendez-vous j'ai eu rendez-vous en mars 2020 avec la sage-femme pour finaliser le tout. D'accord. C'est quoi ce rendez-vous avec la sage-femme, du coup? En fait, là-bas, le rendez-vous avec la sage-femme, c'est là où on vous donne les ordonnances et on vous explique comment le traitement va se passer. Ah, c'est pas la gynécologue qui te fait les ordonnances? Non. Enfin, en fait, c'est elle qui fait. En gros, elle prépare, les gynécos préparent les dossiers, mais après, on a affaire qu'aux sages-femmes. D'accord. Après, pour le traitement, c'est pareil, une fois que tu as commencé le traitement, t'as pas du tout le gynéco au téléphone, c'est les sages-femmes qui rappellent. C'est le suivi, d'accord. Okay. Ouais. Bon, par contre, elles sont super sympas. Bon, c'est ça de bien. Ouais, non, par contre, en vrai, pour avoir maintenant commencé le traitement, etc. Enfin, l'équipe est quand même bonne, même ma gynéco, tu vois, au final, c'est elle qui m'a fait la ponction. Ça s'est très bien passé. J'ai mis ça de côté un peu, et puis c'est vrai que... Non, ils sont vraiment sympas, et ça fait du bien aussi, quand même, d'avoir le côté humain. Oui, c'est important. Qui m'a manqué un peu au début. En mars, tu as eu le rendez-vous avec la sage-femme, et tout le dossier était prêt, mais j'imagine déjà la suite. Ouais, Covid oblige. Ouais, c'est ça, exactement. Et... quand j'ai eu le rendez-vous, je me suis dit... Déjà, je crois qu'on commençait à parler du Covid. Je sais plus quel jour j'avais eu rendez-vous, mais on commençait à en entendre parler. Et là, j'avais une boule au ventre parce que je me suis dit, ça sent mauvais. Je sais pas pourquoi, j'avais un pressentiment. Déjà, j'ai eu peur qu'on annule mon rendez-vous. J'ai pu y aller. Mais effectivement, je sais pas, une dizaine de jours après, on m'a appelé pour me dire, bon, vous commencez pas le traitement, en fait. Et puis, on sait pas quand est-ce que ce sera possible. Et là, je me suis dit, c'est une blague. Ouais. Sur le coup, je l'ai super mal vécu, parce que je me suis dit, ça fait quand même un bon bout de temps que là, j'ai l'impression de pédaler dans la semoule. Franchement, c'était... voilà, il y a eu des conditions, on a pris... j'ai fait ce qu'il fallait, et en fait, là, non, quoi. Et après, il y a eu la période du Covid aussi, où, après, ça a été... très spécial pour tout le monde, hein, j'imagine, mais c'est vrai que je me suis retrouvée à travailler à la maison, toute seule, mon chéri, qui lui travaillait, il a juste été les 15 premiers jours à la maison, et après il a travaillé normalement, et donc j'ai été vraiment beaucoup toute seule, et je pense que ça m'a pas aidée au départ, parce que j'ai ruminé ça, en fait, j'arrivais pas, je me suis dit, qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça, vraiment je commençais à être dans l'apitoiement, et il y a un moment je me suis dit non mais en fait ça va pas être possible de continuer comme ça, en plus c'est pas moi, je suis pas comme ça, je suis quand même quelqu'un de plutôt positif, souvent quand quelque chose arrive de dur je pleure mais après je me relève très vite quoi, et en fait là le fait d'être à la maison aussi forcément on bouge moins, et je me suis dit il faut que je me défoule. Ça fera autant du bien à mon corps qu'à mon esprit. Et en fait, je me suis mise au sport comme ça, toute seule, au départ. Alors au départ, je faisais des tours de jardin, parce qu'on a un terrain. Alors je faisais des tours de jardin. Sauf que bon, au bout d'un moment, c'est un petit peu quand même un peu routinier. Et puis après, j'ai commencé à faire du sport, regarder des vidéos sur YouTube ou etc. Et en fait, j'étais à fond, mais vraiment à fond. Et en fait, cette période-là, pour moi, elle a été très riche parce que, en fait, c'est ce qui m'a permis de me... Je vais même pas dire retrouver, c'est trouver avec mon corps. Je suis désolée, du coup, je suis un petit peu émue. Parce que, en fait, ça faisait je sais pas, 30 ans qu'en fait, je vivais à côté de mon corps, quoi. Ouais. Et sauf que pour ce projet-là, si t'es pas connecté un minimum avec ton corps, c'est quand même lui qui va faire une grosse partie du boulot. Donc en fait, cette période-là, pour moi, elle a été révélatrice, quoi. C'est ce qui m'a réconciliée avec nous, quoi. Je suis un peu émue aussi, donc je parle pas beaucoup. Mais je suis désolée, mais c'est vrai que quand je regarde en arrière, le chemin parcouru, même, tu vois, en 2 ans, entre mon burn-out, ce qui s'est passé, c'est... je suis plus du tout la même personne, quoi. J'ai pris conscience de beaucoup de choses.
Et je pense que, enfin, après, je pense que ce parcours-là, quand même, avec la PMA, le désir bébé, le temps qui passe, je pense qu'on perd, enfin, moi, je vais parler en mon nom, hein, je vais pas parler pour les autres, mais moi, personnellement, je pense avoir perdu une petite partie de moi-même. Mais à côté, j'ai découvert tellement que je vais pas dire merci, David, pour me faire passer par là, mais presque, quoi. Oui, si, si. Si, si, il y a une forme de gratitude quand même, parce que ça ne veut pas dire qu'on n'aurait pas eu ces déclics-là d'une autre manière, hein, c'est sûr, et que bah, on souhaite ça à personne, et que si on avait pu l'éviter, on l'aurait fait, évidemment. C'est ça. Mais je pense que c'est important quand même de voir ce que ça peut apporter. Faut pas rester focalisé uniquement sur tout ce qui est négatif, parce que oui, forcément, il y a du négatif, mais il y a aussi du positif. Et comme tu dis, c'est quand même assez général ce sentiment de transformation et, comme tu l'as dit, de se trouver, quoi. Vraiment de se reconnecter à soi. Et quand même, faut quand même remercier en tout cas la vie ou nous-mêmes, en tout cas, d'en être arrivés là. Ouais, enfin vraiment, je sais pas, enfin les personnes qui vont commencer à rentrer dans le, enfin dans tout ça, franchement, il faut qu'elles s'accrochent parce qu'il y a du bon, enfin forcément en ressortir à partir de toute façon, enfin moi je sais que c'est ma philosophie aussi pour avancer dans la vie, c'est que toute situation aussi difficile qu'elle soit, il y a toujours quelque chose de positif à en sortir et pourtant des fois il faut chercher bien loin, mais Oui, des fois faut creuser beaucoup, mais mais on y arrive. il est là quelque part. Avec un peu de volonté. Oui, après, ça demande du recul, ça demande du temps, évidemment. C'est pas simple, hein, quand on commence et qu'on est face aux annonces négatives, en tout cas, enfin, qui sont difficiles à avaler et qu'on n'avait pas envisagées. Évidemment que c'est difficile, mais voilà, essayer de switcher en fait notre regard pour essayer de voir ce qu'on peut en retirer en fait de ça, ce qu'on peut en faire en fait, Ouais, c'est de ça. beau et de positif. Parce qu'il y avait enfin vraiment du beau. Enfin moi je sais que ouais même je me dis qu'enfin aujourd'hui ben, je sais pas hein, si j'aurai un bébé ou enfin je sais pas si ça arrivera et quand. Mais c'est sûr qu'en plus je serai pas la même maman que j'aurais été il y a 3 ans, enfin 3 ans et demi quand j'ai arrêté la pilule. Et enfin je serai forcément une meilleure maman parce que déjà je me suis libérée de beaucoup d'angoisse enfin du passé etc. Et il y a eu un moment où c'était j'ai besoin d'un bébé. Mais en fait non. Enfin, c'est pas vrai, on peut pas avoir besoin d'un bébé. Dans ces cas-là, il y a quelque chose qui va pas et c'est pas un bébé qui viendra résoudre le problème, quoi. Donc, Tout à fait. aujourd'hui, enfin, je sais que j'ai plus non plus le même regard sur ce désir d'enfant. Après, enfin, moi, voilà, moi j'ai perdu ma maman, j'avais 10 ans. Donc, enfin, en gros, je sais plus ce que c'est d'avoir une maman. Et puis, enfin, faut être honnête, c'est une blessure qui reste quand même à vie, on va dire. Mais Bien après, sûr. enfin, ça, je sais que je m'en suis libérée, mais du coup. Au départ, je pense que je voulais un enfant pour guérir un peu ça. Alors qu'aujourd'hui, j'ai envie d'avoir un enfant parce que je suis bien dans ma vie, je suis bien avec mon chéri, c'est avec lui que j'ai envie d'avoir un enfant, c'est pas avec quelqu'un d'autre. Enfin, c'est pas. Donc, c'est ouais, mon regard a changé aussi sur ce désir d'enfant. Ouais, c'est bien, bravo. Quoi. En si peu de temps, moi, il m'a fallu quelques années de plus quand même pour en arriver là. Après, chacun avance à son rythme. Hein. Bien sûr, bien sûr. Et donc, du coup, pour le fil de l'histoire, hein, on va revenir un petit peu plus léger. Du coup, en fait, quand le confinement a pris fin, j'ai appelé le centre au premier jour de mes règles et j'avais laissé un message parce que souvent, en fait, moi, c'est ça. De toute façon, c'est rare. Enfin, moi, les fois où j'ai appelé, c'est rare qu'ils décrochent. Donc, à chaque fois, je laisse un message avec ce que j'ai à leur dire et derrière, on me rappelle. Bon, en mai, on ne m'a pas rappelé. Je dis bon. Je veux bien, Ah ouais. ça venait juste de se terminer. Je me dis Ouais. bon, je veux pas me prendre la tête, je vais attendre. Et au mois de juin, quand j'ai eu à nouveau mes règles, j'ai rappelé. Et là, j'ai eu la gynéco, par contre, qui m'a rappelé. Et je sentais bien à sa voix que il y avait quelque chose quand même qui n'allait pas. Et je me suis dit bon, bah, autant qu'elle me dise. En plus, elle me l'a pas dit clairement. Il a fait, enfin voilà, elle a sous-entendu qu'en gros, il savait pas trop. Quoi faire de moi entre guillemets parce que bah par rapport à mon poids encore je présentais des risques Non. et là je me suis dit mais là dans ma tête en vrai je me suis dit non mais c'est une blague quoi et en plus tu vois c'est ça aussi qui a fait que forcément au bout d'un moment je me vois comme la grosse de service c'est que enfin sans cesse on me l'a Il te rappelé ramène toujours à ça. ouais et Ouais. alors qu'en plus enfin honnêtement dans ma vie je me suis jamais senti diminuée de faire quoi que ce soit par rapport à ça enfin pour moi ça a jamais été un handicap Ouais. ça a été un handicap pour moi psychologiquement.
mais physiquement, ça va quoi, Ouais. je peux courir si je veux, enfin. Et donc là, je me suis dit, bon, et en fait, on a quand même discuté un peu, parce qu'en fait, entre-temps, j'avais perdu encore un peu de poids, et elle m'avait dit, bon, ben, elle me dit, non, ok, on y va, quoi. On se lance, elle me dit, par contre, le centre ferme entre mi-juillet et mi-août. Donc en gros, si on commence, voilà, il faut que le timing soit bon, quoi. Ouais. Et en fait, c'était juste, juste quand même. Et au final, j'ai quand même réussi à. Enfin, j'ai pu faire mon premier traitement. Les premiers jours de stimulation, ça bougeait pas beaucoup. Donc, on me mettait. Enfin, voilà, inconsciemment, ils me mettaient la pression parce que j'ai dû. Les 5-6 premiers jours, en gros, ça bougeait pas beaucoup et on voyait le temps passer. Je me suis dit, Enfin bon, non. il te mettait la pression, mais qu'est-ce que tu veux Non mais c'est faire? ça, non mais parce que je sais plus à une écho, on m'a dit bah par contre ce serait bien que ça évolue. Ah ouais je veux bien mais à un moment moi je leur parle Bah mais écoutez, toi ils veulent pas quoi. je vais leur parler, je vais leur expliquer. Ah bah je peux te dire que je leur ai parlé, hein. Ils étaient briefés, bon les gars, mais ça fait quand même un moment qu'on attend. On déconne plus. Et bizarrement en plus c'est drôle parce que en fait ils sont quatre gynécos à faire partie de l'équipe. Donc mes quatre premiers rendez-vous, j'ai eu un gynéco différent. Donc en quatre fois, c'est bon, j'avais fait le tour de l'équipe. Et je crois que c'était la dernière justement où ça commençait un peu à bouger. Elle m'a fait trop rire parce que, enfin, elle était, mais vous leur parlez? Ah, je dis, mais je fais que ça. Elle dit, bon, bah, ça y est, enfin ils vous entendent. Et donc du coup, j'ai dû avoir 15 jours de stimulation. Enfin, tu vois, ça c'est pareil. Je me dis. Enfin, c'est un parcours, voilà, c'est pas agréable, mais il y a des souvenirs qu'on aura, mon chéri et moi, que d'autres couples n'ont pas. Enfin, quand je repense à la première piqûre, parce que j'avais décidé de tout faire toute seule, mais je me marre parce que je me souviens, il me parlait, et en fait, j'étais dans un état de stress, mais total, je sais pas, le quart d'heure avant, et à un moment, je lui ai dit, je suis désolée, hein. Je dis, je suis vraiment désolée, mais en fait, j'en ai rien à foutre de ce que tu me dis là, tu peux me parler, ça n'atteint pas mon cerveau, quoi. Donc, tu vois, je me dis, voilà, il y a des petites choses comme ça, qui me font rire, et ça reste quand même des bons souvenirs malgré tout. Oui. Et en plus, tu vois, j'arrive aussi à trouver du positif, c'est que je trouve que j'ai eu plutôt de la chance pendant ce premier protocole, parce que, vu qu'il y avait les vacances et que c'était en sortie de confinement, il n'y avait pas grand monde. Donc, moi, j'ai pas connu, tu vois, les échographies à la chaîne. Enfin, quand je suis arrivée, le max qu'on était dans la salle d'attente, c'était 4 ou un truc comme ça. Donc, Ouais. pour moi, j'ai plutôt eu des bonnes conditions pour vivre ça. Et puis, j'ai eu des bonnes conditions parce qu'on a réussi à aller à la ponction. Ça, c'était mon stress parce que, Ouais. entre-temps, en fait, entre l'attente, etc., j'avais commencé à créer mon compte Instagram, par rapport à la PMA. Donc, un compte où j'ai aucune de mes connaissances, etc. C'est vraiment un truc. Ouais. Où je voulais que pour ça et mon petit jardin secret entre guillemets. Là j'avais commencé du coup forcément à me renseigner sur tout ça. Et quand je. Enfin, voilà. Après, c'est pareil, quand tu vois certains parcours, tu te dis waouh, c'est chaud. Enfin, les femmes qui n'arrivent pas à aller à Ouais. la ponction ou qui ont très peu d'ovocytes, enfin, tu vois ça d'un œil, ça fait peur, honnêtement. Ouais, c'est vrai qu'on nous en parle pas quand on rentre en PMA. Et bon, je me dis que bon, les médecins, heureusement qu'ils nous parlent pas de tout ce qui peut arriver de négatif non plus. Mais j'imagine, moi, j'ai eu la chance de pas vivre ça non plus. Mais j'imagine que quand on n'est pas du tout préparé et qu'on ne sait pas que ça peut se passer comme ça doit être quand même assez violent à vivre de se dire que bah non, finalement, il n'y aura même pas de ponction. Ouais. Ou quand il y a une ponction, bah, il n'y a aucun ovocyte. Je ne sais pas ce qui est de mieux de découvrir ça sur le coup ou qu'on te prévienne quand même un minimum. Ouais, Ben, c'est pas ouais, je facile. pense que enfin prévenir ça peut ne pas faire de mal quand même. Après, moi je sais que du coup j'étais Bah, je prévenue pense. avec les réseaux, mais d'un côté c'est pour ça aussi, Ouais. tu vois, les réseaux ça a du bon parce que clairement j'ai appris beaucoup de choses ou tu vois, les podcasts je connaissais pas avant, enfin ça m'a ouvert tout un monde. Mais en même temps, j'ai clairement perdu ma naïveté en lisant tout ce que j'ai lu. Parce que du coup, C'est sûr. par rapport à mon. Je pense par rapport à mon copain, qui lui, enfin clairement, déjà, c'est un homme, donc je pense qu'on n'a pas le même vécu, on n'a pas la même vision des choses. Mais clairement, moi, j'avais pas du tout aucune naïveté. Moi, j'avais trop peur de ne pas réussir à aller à la ponction. En fait, en plus, moi, je suis une stressée de base, donc forcément, je pense à chaque fois au scénario catastrophe. C'est le paradoxe en moi, c'est que je suis quelqu'un de positif, mais malgré tout, je pense toujours au pire parce qu'on ne sait jamais. Mais bon, du coup, j'ai réussi à aller à la ponction
Et d'ailleurs, ouais, tu vois, c'était ma gynéco attitrée qui m'a fait la ponction. Et d'ailleurs, Ouais. je me souviens quand j'ai été installée dans le bloc, en fait, elle est venue me voir parce que je savais déjà que ce serait elle, mais elle me dit, ah bah, elle me dit, ah, c'est moi qui fais votre ponction. Elle me dit, ah, ça va aller. Enfin, en fait, elle s'était approchée de moi pour me parler et je l'ai trouvée super douce et super gentille. Et du coup, là, d'un coup, j'ai Ouais. une bouffée d'émotions, mais énorme, quoi. Parce que, en fait, c'était un mélange de tout. C'était enfin. Tu vois, enfin, on avait, c'était un pas énorme, quoi. Et puis, enfin, ouais, je l'ai trouvé. D'un côté, tu vois, c'était elle qui me faisait, donc d'un côté, ça me faisait plaisir parce qu'elle m'a suivi. Enfin, elle me suit quand même, du coup, maintenant, depuis quelques temps. Oui, c'est celle que tu connaissais le mieux quand même au final. Ouais, c'est ça. Oui, complètement, ouais. Ça reste ma gynéco attitrée, donc c'est elle qui prend les décisions. Enfin, bon, même si des fois, ça doit être en collégial, hein, mais ça reste elle. Et puis, ouais, du coup, ma ponction se passe. J'avais demandé à faire ça sous anesthésie générale parce Oui. que j'avais le choix sinon de faire sous hypnose. Je sais que je suis réceptive à l'hypnose, mais honnêtement, j'étais tellement stressée par ça Ouais. que je me suis dit non, allez, endormez-moi et faites ce que vous voulez. C'est ça. Et ouais, donc le réveil a été un peu. Je me souviens, je me suis réveillée en sursaut d'un coup. En fait, je voulais me réveiller d'un coup, être bien, et en fait, bah non, ça se passe pas comme ça, il faut un petit temps quand même. Ouais. Un petit temps, ouais. Et en fait, c'est en fin de matinée que la gynéco est venue pour faire le compte rendu. Et là, du coup, elle m'avait dit qu'elle avait réussi à ponctionner 24 ovocytes. Wow. Ouais, Quelle honnêtement, récolte. j'étais super fière. Bah Et puis, ouais. je me suis dit, dans ces moments-là, t'es un peu con parce que, enfin, tu sais pas comment ça va être la suite, mais alors j'étais trop fière, quoi. Je regardais mon chéri me dire, t'as vu quand même, je fais pas ça pour rire, quoi. Et tu leur avais parlé aussi, faut dire. Ah, c'est ça, ouais, tu vois, ils avaient été briefés. Finalement, ils ont bien écouté quand Ouais, même. ça va. Et donc, du coup, elle me disait que, enfin, elle nous a dit que 19 ovocytes avaient pu être injectés. Ah, Donc, super. En plus, ah ouais, ouais. on était vraiment super contents. Après, donc, elle nous avait dit que. Donc, ma ponction s'était passée un lundi. Elle m'avait dit que j'aurais un appel le jeudi, je crois qu'elle. Ouais, le jeudi, premier appel du biologiste pour voir comment ça, enfin, où ça en était. Et un dernier appel, normalement, le samedi. Ah Et en ouais, donc fait, il est poussé dès le départ à au moins J5 alors. ouais, c'est ça. D'accord. Et Ouais, en ils n'ont fait, pas tenté les J2, quoi. Tout de suite les si, bah J5. justement, en fait, si, du coup, j'ai eu un appel, je vois mon téléphone sonner le mercredi. Ouais. Et bah là, moi, en fait, je connais le numéro de l'hôpital. Et là, moi, du coup, gros point de stress parce que normalement, c'était le jeudi. Bah ouais. Sachant que j'avais suivi un ou deux comptes où les nanas, en fait, les embryons, il n'y en avait aucun. Enfin, il y avait eu une ponction et Ouais. aucun embryon. Je me suis dit, putain. En l'espace de 2 secondes, je me suis dit c'est mort quoi. Ouais. Tu vois, toujours positive. Ouais, Hein. on est tous un peu comme ça, malheureusement, Mais ouais, c'est ça. Et en fait, donc le biologiste me dit, bon, là on est à 18 embryons. Il me dit j'en ai congelé deux en fait, à Ah, c'est J2, du coup, bien. pour être sûr qu'il y en ait en fait, quoi qu'il arrive. Ah, c'est chouette. Il m'a dit qu'ils étaient super beaux et puis il me disait qu'il laissait pousser le reste jusqu'à samedi. Et Ok. là, quand j'ai raccroché, franchement, j'ai pleuré. Mais Ah je crois. ouais. Enfin, tu vois, c'était. Comme je savais encore que ça pouvait mal se passer, tu vois, Ouais, voilà, une j'avais. nouvelle victoire. Voilà. En fait, chaque étape nous stresse et puis chaque étape passée, on souffle et puis on repart sur une autre C'est des stress. inconnue, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Et du coup, j'avais peur qu'on m'appelle pas le samedi. Je me suis dit, je sais pas pourquoi, parce que c'était le week-end, je me suis dit, peut-être qu'on m'appellerait pas. Et en fait, si, il m'a appelé le samedi, je me souviens plus, j'étais chez ma grand-mère, il y avait ma soeur et mon beau-frère qui étaient là aussi. Et bon, bah, en fait, en gros, ils savaient un petit peu dans quoi j'étais lancée. Donc là, le biologiste m'a annoncé qu'il avait congelé 8 autres embryons, donc on en avait 10 au total. Super. Et du coup, il n'y avait pas de transfert frais de prévu. Non, alors déjà parce que le centre, en fait, le centre avait fermé Ah, déjà c'était et j'ai eu trop ma. juste, ouais. Ouais, et puis de toute façon, je crois que franchement, j'avais un début d'hyperstimulation parce que Ah. ouais, j'ai eu droit à des piqûres pendant 15 jours là pour éviter la coagulation du sang et franchement, j'ai morflé. Je m'attendais pas d'ailleurs à souffrir comme ça parce que le jour même, l'après-midi, ça allait, tu vois, même je déconnais avec mon copain, enfin, ça allait franchement. Ouais. Et par contre, dans la nuit, j'ai pas mal souffert et non, enfin en fait c'était ça. Il m'avait dit que de toute façon, dans mon cas, j'avais dû faire le déclenchement au décapeptyl et donc dans ce cas-là, on sait que c'est pas possible. D'accord. Ouais, OK. donc je savais que de toute façon, il faudrait que j'attende pour avoir un transfert. Mais D'accord. ça va, enfin tu vois, du coup, ça n'a pas été une surprise parce que en fait, on m'a briefé assez tôt par rapport à ça. Donc,
Donc c'était pas une surprise. Oui, tu le savais que c'était le protocole, en fait. Ouais, c'est ça. On m'avait prévenu, je sais plus, peut-être au deuxième ou troisième contrôle, parce que bah déjà, le fait d'avoir des ovaires polykystiques... Bah c'est souvent, ça. Ouais. Mm. Donc bon, je me suis dit, c'est pas grave, mais c'est vrai que... d'ailleurs, à l'hôpital, elle m'avait dit, du coup, pour le transcongelé, elle m'avait expliqué comment ça se passerait, et puis du coup, au premier jour de mes règles, après la ponction, j'ai dû faire une injection de décapeptile aussi, 3 mg, qui bloque l'ovulation pour le cycle suivant, donc... Ouais, d'ailleurs, ça, les effets aussi, c'est sympa. Les bouffées de chaleur et compagnie. Ça, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais moi, c'est quelque chose quand même qui me... des fois, je me sens, parce que c'est encore à l'heure actuelle, mais je me sens un peu touchée dans ma féminité parfois avec le traitement. Ouais. Parce que mon corps ne réagit pas... Enfin, il est pas comme d'habitude, quoi. Ouais. Et je sais que dans certaines situations, ouais, ça a pu me faire pleurer. Ouais. C'est très étonnant quand on me connaît, hein, mais parce que ouais, je le reconnais pas suivant, et c'est assez déstabilisant. Enfin, moi en tout cas, ça me déstabilise pas mal parfois. D'accord, ouais. Mais c'est pareil, enfin voilà, c'est de toute façon, je sais pourquoi je le fais, et puis je pense que maintenant je vais le vivre différemment parce que en fait, je connais quoi. Je pense que oui. C'était la première fois aussi où tu te demandes un peu ce qui t'arrive de. Enfin, tu sais pas trop comment gérer la chose. Et puis, en fait, là, maintenant, vu que voilà, j'ai vu toute la procédure et que je suis repartie sur la même, oui. Ça devrait aller. Je parle par rapport au transfert. Ouais. Ça devrait aller. Mmh. Du coup, le centre fermé cet été. Et, ouais. Et tu savais à peu près à quelle période tu allais pouvoir avoir le transfert? Ouais, parce que du coup, j'ai eu mes règles fin juillet. Je devais les appeler dès qu'ils ouvraient hein, pour leur dire que j'avais bien fait l'injection, etc. Et je crois qu'ils contrôlent autour de J35 ou un truc comme ça. Donc je savais que fin août, normalement, ça devrait se faire. Et en plus, ouais, c'est super bien tombé parce que, tu vois, je me dis, tu vois, on a eu de la chance encore parce qu'en fait, tout ça est tombé pendant nos vacances. Le contrôle écho et prise de sang pendant nos congés, et pareil le transfert, en fait le premier transfert s'est fait pendant nos vacances, donc on n'avait pas de stress par rapport au boulot, etc. Ouais. Après moi par contre de base j'ai pas de stress avec le boulot parce que j'ai la chance énorme d'avoir une chef à qui j'ai pu en parler et qui est hyper compréhensive, qui a été hyper arrangeante. Enfin, pour moi c'est, tu vois, je lui ai dit plusieurs fois que franchement c'était énorme parce que du coup on a déjà quand même pas mal de stress par rapport à tout ça, et le fait d'avoir ça en moins, pour moi, c'était énorme. Certain. Ouais. C'est certain. Et du coup, tu t'es servi, entre guillemets, de la loi qui existe aussi, qui nous permet d'avoir des absences pendant nos parcours PMA et d'être rémunérés, ou pas? Non, en fait, j'ai évité, parce que en faisant ça, il fallait passer par la direction ou les ressources humaines, oui, etc. Il fallait en parler au RH, oui. Ouais, et j'avais pas forcément envie, sachant que j'ai pu m'arranger autrement, en fait, de base, dans l'entreprise où je suis, il n'y a pas d'heures supplémentaires. En fait, on a un compteur, il y a une tolérance, on peut être à plus 4 heures maximum, tu vois. Mmh. Et en fait, je me suis arrangée avec ma chef de pouvoir faire des heures d'avance et les placer sur un compteur spécifique, normalement, que j'aurais pas dû, mais enfin, voilà. Et ça, d'accord. C'est plus ou moins transparent, parce que bon, je pense qu'ils sont pas là à pister... Oui. À pister tout le monde, mais du coup, j'ai fait des heures pour pouvoir rattraper mes absences. D'accord. Bon, en tout cas, il y avait cette dimension-là qui n'était pas... Ça ne faisait pas partie de la charge mentale dans ce parcours, quoi. Non, c'est clairement. Déjà énorme. Ouais, franchement, ouais. Et le fait d'être en vacances pour le transfert, ouais, c'était bien parce que du coup, on était dans de bonnes conditions. Et puis, en fait, le jour où on allait faire le transfert, après, on partait directement parce qu'on a un voilier... Nos vacances, si on peut l'été, c'est partir en voilier, pas forcément loin, mais voilà. Et c'est vrai que tu déconnectes tout de suite, en fait. Ouais. Et donc, tout de suite après, on est parti, et ça m'a fait un bien fou, parce que pendant les 3 jours, on est parti. J'y pensais à mon embryon, hein, mais j'étais bien, quoi. Oui, de manière sereine et positive. Ouais. Et d'ailleurs, ce transfert était un peu particulier. Enfin, bon, déjà, j'avoue, je savais pas trop à quoi m'attendre, enfin, comment ça allait se passer. Mais l'embryon, c'était un petit coquin, hein, parce que, en fait, la gynéco donc, a pris la seringue. Elle, en plus, on suivait sur l'écran. Elle a dit, vous allez voir, normalement, comme un petit éclair, vous allez le voir partir. Et en plus, on était 4. Je me souviens, du coup, il y avait la gynéco, il y avait la sage-femme, et moi et mon chéri à regarder l'écran. Puis on s'est dit, ah ouais, c'est bon, on l'a vu, quoi.
Et le biologiste derrière vérifie la seringue et en fait non, l'embryon était resté dans la seringue. C'est vrai. Ouais. Du coup, déjà, je savais même pas que c'était possible. Bah moi, je me souviens qu'effectivement, ils vérifient toujours et ils nous disent c'est bon, il y a plus personne dedans, quoi. Bah c'est pareil. Je m'étais dit, est-ce que vraiment c'est possible? Bah voilà. Et bah tu vois, c'est possible. Et en plus, d'un côté, on te fait comprendre que d'un côté c'est bien parce que ça veut dire qu'il a les scratchs pour s'accrocher là. Donc, oui. Donc bon, je m'étais dit, bon, puis moi, en fait, de base, je suis quelqu'un d'assez intuitif où, tu vois, je vois des signes dans les choses et je m'étais dit, bah attends, on est en vacances, l'embryon s'est accroché. Ouais. En plus, le jour de la prise de sang, la date, pour moi, elle était assez significative, de choses positives. Donc, moi, ce jour-là, j'étais en feu, hein, je me suis dit, oh, ça va le faire, c'est bon, hein. Bon, après, par contre... Une fois que tu pars de là, tu te dis, bon, t'as même peur d'éternuer, parce que tu te dis, bon, c'est jamais. C'est assez... Mais après, par contre, je me suis assez étonnée à ce niveau-là, c'est que j'ai réussi quand même physiquement à faire ma vie plutôt normalement, tu vois. Ouais. Tout de suite, des bonnes balades à pied. Enfin, tu vois, je suis partie en bateau. Enfin, même pendant les 15 jours, j'ai passé une télé, enfin, ouais. Ouais, c'est ça, tu avais 15 jours de vacances en plus. Alors non, sur les 15 jours, il me restait en gros une semaine de vacances, ouais, même 10 jours, mais la fin j'ai travaillé en fait. D'accord, ok. Et d'un côté c'était pas plus mal, parce qu'une fois, j'ai trouvé qu'une fois que j'étais revenue dans mon train-train, j'y pensais vachement. Et même je ne m'attendais pas à ce raz-de-marée de sentiments, d'émotions, honnêtement les 15 jours, mais depuis le début, c'est la période que j'ai le plus mal vécu. Pour moi c'était un raz-de-marée d'émotions, mais il y a même un moment où je me suis mise à douter de ma santé mentale, quoi. Ah ouais. Je me suis dit, mais c'est pas possible, je vais virer folle, quoi. Et le fait d'avoir lu, j'avais lu un article sur le site FIV.fr, là, oui. Qu'une femme a fait sur les 8 stades, et en fait, je me suis reconnue, je me suis dit, bon, je suis peut-être pas folle, en fait. C'était normal de passer par là, mais tu vois, je me suis dit clairement que pour la prochaine fois, il faudra que je voie les choses différemment. Enfin, que je trouve un moyen de vivre les choses différemment parce que ça a vraiment été insupportable. Quoi. Trop de questions, en fait, trop de doutes à analyser le moins de symptômes, etc. C'est ça, ouais. Et puis, déjà, moi, de base, je suis quelqu'un qui réfléchit sur tout le temps. Enfin, mon cerveau, il sait pas s'arrêter. Il se fait beaucoup de films, etc. Et puis en même temps, c'est ça, t'analyses forcément ce qui se passe dans ton corps. Mais après, tu vois, après le recul, déjà, je sais que de toute façon, j'ai aucune action là-dessus. C'est si ça marche, c'est que ça doit marcher, sinon ça. Enfin, voilà. Et puis je me dis, de toute façon, t'as jamais été enceinte. Comment tu pourrais savoir si tu l'es? Enfin, tu vois. T'es sûr. Je sais pas, mais c'est vrai que ouais, la prochaine fois, il faudra vraiment que je vive les choses différemment. Parce que, bon, j'ai craqué. Je devais faire ma prise de sang le lundi et le vendredi, mais j'étais dans un état lamentable et je suis allée acheter des tests de grossesse en fait. Ouais. Et grosse erreur. Honnêtement, je le dis à toutes les filles qui vont vivre ça. Enfin, moi, maintenant, clairement, je dirais qu'il faut pas le faire. Parce que pour moi, c'est se torturer encore plus. C'est du stress inutile. Enfin. Bah, sauf si on a la chance qu'il soit positif, à la limite, ça, oui, forcément, ça change les choses. Mais oui. J'imagine, moi je l'ai jamais fait parce que j'en ai fait trop avant, en dehors de la PMA et trop qui était négatif et ça fait tellement mal. Je déteste ces moments-là. Et du coup, j'ai jamais craqué moi avant les prises de sang, mais parce que je me disais, mais si c'est négatif, de toute façon, t'y croiras pas. Donc... Oui. Ouais. Non, mais c'est vrai. Hein. Et puis même, c'est ça, moi je me suis dit, de toute façon, ça aurait été. Enfin, j'aurais vu une petite barre, une deuxième barre. Qu'est-ce que j'aurais fait? De toute façon, j'aurais flippé jusqu'à la prise de sang. Enfin. Ouais. C'est. Ouais, enfin, moi je sais que là, honnêtement, après, je ne vais jamais dire jamais, mais honnêtement, je pense pas que je le referais parce que ça m'a mis dans un état. Et, au final, j'ai plus pleuré le vendredi en faisant mon test de grossesse que le jour où j'ai eu le résultat négatif, quoi. Parce qu'au final, je pense que dans ma tête, de toute façon, j'avais capté. Et puis. En même temps, pourtant, tu vois, j'ai quand même espéré jusqu'au lundi, hein, de me dire... Bon. Bah, c'est ça, c'est ce que je te dis, c'est normal, parce qu'en fait, c'est cette date-là, parce que c'est la prise de sang, donc c'est quand même encore plus... Enfin, c'est beaucoup plus fiable qu'un test de grossesse. Ouais. Et du coup, oui, forcément, t'attends cette date-là. Et même, de toute façon, même avec la prise de sang, tant que t'as pas tes règles, je crois que... De toute façon, t'y crois toujours pas. Non, mais c'est vrai en plus. Je me suis dit, peut-être ils se sont trompés. Mais c'est ça, mais... Non, mais là, tu te dis, à un moment, tu te dis, non, mais quand même. Non, c'est bon. Bah ouais, ça nous pousse à aller jusque-là, quoi. C'est fou. Hein. Ouais,
Bah, de toute façon, enfin, ce parcours, moi, quand je réfléchis, honnêtement, ça m'a fait avoir même des sentiments ou des pensées, enfin, que je juge mauvaises, entre guillemets. Enfin, ça te touche tellement au plus profond de toi que des fois, tu t'en viens à avoir des pensées. Enfin, moi, je sais qu'il y a eu une période où je me disais, enfin, tu vois, j'aurais presque préféré avoir une grossesse, enfin, un début en tout cas, et faire une fausse couche derrière, parce qu'au moins, j'aurais su que ça marchait. Sauf Ah que, ouais. avec le recul, je me dis, non, mais en fait, ça va pas du tout. Enfin, tu peux pas penser ça, enfin, c'est horrible de vivre ça, donc non, enfin, vaut mieux que non, rien se passe et enfin, tu vois, je pense que j'ai été très loin au niveau pensée du genre, tu vois. Oui, c'est l'ambivalence des sentiments, c'est de toute façon c'est très compliqué, c'est très très complexe tout ce qui peut se passer dans notre tête, et je pense qu'on en est toutes là, hein, à différents niveaux, à différentes pensées, mais comme tu dis, on a l'impression aussi que, pas que ça nous rend folle, mais en tout cas que ça prend beaucoup trop de place dans notre tête, ça c'est certain. Ouais, franchement, ouais, c'est vrai. Et c'est pour ça que c'est important de trouver des exutoires ou des choses comme ça, parce que, enfin, moi, je sais je me suis rendu compte, enfin, je me dis en tout cas que je peux comprendre honnêtement les femmes qui deviennent folles, mais vraiment littéralement folles par rapport à ce désir-là, parce qu'à un moment, enfin, ça peut devenir tellement fort et, oui, prendre toute la place dans ta vie, hein. Franchement, il suffit que tu sois pas très bien, bah voilà, tu vois, tu sois à un moment aussi où tu t'es peut-être pas très bien. Enfin, moi, je sais que, tu vois, du temps où j'allais voir la psychologue, elle m'avait dit, c'est important d'avoir trois piliers dans sa vie, en fait. Comme ça, quand il y en a un qui va moins bien, il reste les deux quand même pour soutenir. Et si dans ta vie, t'as pas trois piliers à ce moment-là, enfin, tu peux, ouais, vraiment prendre une grande claque et virer mal, quoi. Par rapport, moi, à ce transfert négatif. De base, j'aurais pensé que, enfin, j'aurais mis du temps à m'en remettre. Mais en fait, je trouve que j'ai plutôt bien vécu, on va dire la chose. Bah, j'ai pleuré, hein. Forcément. Même des fois, quand j'y pense, je me dis, bah mince, hein. Tu vois, il s'est accroché à une pauvre seringue, mais pas à moi. Pourquoi? Mais en même temps, en fait, j'ai pris rendez-vous à nouveau avec ma magnétiseuse. Je sais pas, j'ai eu le résultat le lundi et je pense que le jeudi, j'ai dû la contacter parce que, bah, enfin, voilà, en fait, je me sentais vidée. Vidée d'émotions, vidée de fatigue. Enfin, je pense que les traitements m'avaient vachement fatiguée. En fait, je me rendais compte parce que je voyais bien que j'étais fatiguée, mais c'est là maintenant que bah, j'ai plus la progestérone, etc. Je sens que je suis moins fatiguée. Et je voulais, en fait, je me suis dit, je vais aller la voir, je vais vider et puis on verra, quoi. Et en fait, donc je suis allée la voir cette semaine. Parce que d'habitude, enfin, honnêtement, les autres fois où je suis allée, à chaque fois, je pleurais, mais je pleurais, enfin. D'un côté, je me suis dit, mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Et là, en fait, j'ai pleuré, mais beaucoup moins. Et en fait, je suis sortie de la séance avec le sourire, déjà. Et en fait, je sais pas pourquoi, mais enfin, tu vois, je lui ai envoyé un message après parce que je lui ai dit, enfin, que c'est, enfin, cette séance-là, pour moi, elle a été comme un déclic. C'est que, bon, je vais encore être sous le coup de l'émotion, hein, parce que ça fait à peu près, tu vois, 2 ans, un peu plus de 2 ans que, bah, que j'ai fait un travail sur moi. Et en fait, je me rends compte du chemin parcouru et il est juste énorme. Enfin, à un moment, tu vois, il faut pouvoir se poser et prendre conscience aussi des progrès qu'on fait, etc. Et en fait, c'est comme si là, j'avais eu le déclic de me dire, bah en fait, ça y est, t'es prête, quoi. Maintenant, tu peux être maman. Et je pense que ça, je l'avais pas ressenti avant, tu vois. Donc, je sais pas où ça va m'emmener. Je sais pas si vraiment je vais réussir à être maman un jour, mais en tout cas, là, je me suis rendu compte que, enfin, j'ai parcouru du chemin. Et j'espère en parcourir encore de toute façon. Enfin, je pense que de toute façon, on s'améliore toute sa vie, en fait, si on veut. Mais vraiment, là, je pense que je vais aborder le second transfert vraiment différemment. C'est chouette d'avoir ce genre de déclic, et quel que soit ce que ça apporte derrière, c'est important rien que pour toi en tout cas. Est-ce que tu dirais que ce parcours a impacté ton couple, et comment vous avez, enfin, qu'est-ce que vous mettez en place pour le vivre au mieux tous les deux? Ben, enfin, je pense que j'ai de la chance d'être avec quelqu'un qui n'est pas du tout comme moi, parce que honnêtement, sinon on serait dans la merde. Mais il est très stoïque, très. Ben, après lui, enfin voilà, c'est pas quelqu'un qui parle forcément de ses sentiments, etc. Mais ça, c'est pareil, tu vois, c'est avec le temps. Parce qu'au départ, moi, je sais que je gardais beaucoup de choses pour moi parce que j'avais été habituée à ça en fait dans ma vie. Et tu vois, par rapport au début de ce parcours, enfin j'ai commencé à prendre vraiment appui sur lui. Et c'est vrai que, enfin, nous, on est dans une relation où on est hyper complices, enfin, on rigole beaucoup, c'est beaucoup de légèreté entre nous. Et en même temps, on peut tout se dire, enfin,
je suis vraiment très à l'aise avec lui, ce qui ne m'était jamais arrivé. Et du coup, pour l'instant, enfin, honnêtement, ça pèse pas sur mon couple parce que il est quand même vachement compréhensif. Enfin, je pense qu'il voit les efforts que je fais au quotidien. Enfin, tu vois, entre le, enfin, voilà, j'ai quand même dû perdre du poids, entre le traitement aussi. Enfin, tu vois, le fait que je me sois piquée toute seule, je sais que d'un côté, il est un peu admiratif parce que je sais que, enfin, lui, il a peur des aiguilles, etc. Donc ça aurait été compliqué peut-être si ça avait été l'inverse. Mais c'est vrai que, enfin, après, on a la philosophie, pardon, de se dire que, ben, en fait, on est déjà heureux à deux et c'est déjà quand même pas mal, quoi. C'est pas donné à tout le monde, je pense. Et puis c'est vrai que, enfin, on s'aime vraiment beaucoup, donc, enfin, ça aide aussi, ça porte. Enfin, parce que c'est vrai que, par contre, je pense qu'un parcours comme ça, si dans le couple, ça bat un peu de l'aile, enfin, ça peut très vite être compliqué, parce que, enfin, comme je te disais, moi, je sais que par rapport au traitement, enfin, voilà, mon corps, enfin, je me sens atteinte dans ma féminité, donc des fois, c'est pas forcément facile à assumer au quotidien. Et c'est vrai que lui, enfin, j'ai aucun reproche, enfin, j'ai aucun. Vraiment, enfin, je sais que, même s'il y a eu des moments, honnêtement, je me suis sentie seule, hein. J'avais l'impression de me battre seule dans ce parcours-là, mais parce que, voilà, quand tu prends du recul, tu te rends compte aussi quand même que les hommes et les femmes ne vivent pas du tout les choses de la même façon, déjà de base, hein. Mais c'est vrai que là, comme, enfin, nous, c'est notre corps, enfin, physique aussi, qui prend cher, entre guillemets. Je sais que des fois, enfin, voilà, il a du mal à se mettre à ma place parce que, enfin, voilà, il ne peut pas le faire. Mais pour autant, je sais qu'il est là et qu'il me soutient, quoi. Tant mieux. Eh bien, écoute, pour conclure, qu'est-ce que tu retiens en tout cas de ce parcours? Parce que même si t'as fait qu'une seule FIV, mais ça fait quand même un moment au final que tu es en PMA, puisque ça fait presque 2 ans finalement Oui. que vous avez commencé à envisager la PMA. Qu'est-ce que tu retiens avec ce recul justement de ces 3 ans? Ben, enfin, pour moi, c'est certes, le temps est très long, hein, ça décourage par moments, mais en fait, il faut pouvoir voir les choses différemment et tirer le meilleur de tout ça. Après, enfin, moi, j'encourage vraiment aussi les femmes à parler de, pas forcément à leur entourage si elles se sentent pas à l'aise, mais je pense qu'en parler, c'est hyper important parce que moi, je vois, tu vois, j'ai créé mon compte Insta, j'ai regardé, c'était en février, donc ça faisait quand même un bon moment déjà que la PMA était envisagée chez nous. Et enfin, pour moi, je me sentais déjà en PMA puisque de toute façon, j'arrivais pas à avoir de bébé autrement. Et en fait, ça me fait beaucoup de bien d'échanger avec des personnes qui vivent la même chose. Enfin, ça n'a rien à voir, tu vois. Je vais en parler à des copines qui n'ont pas vécu. Elles vont être empathiques, elles vont comprendre, mais c'est pas du tout la. Enfin, là, tu vois, tu vas parler à quelqu'un des capsules de progestérone, tout de suite, tu vois, elles vont comprendre Non, c'est ce que tu as envie de dire, et ça fait tellement du bien. sûr. Enfin, moi, je sais qu'en particulier, là, j'ai rencontré une fille là, sur Insta avec qui on parle quasiment tous les jours, et j'aime bien parce qu'en même temps, enfin, tu vois, on peut parler crûment. Et on se comprend, et je sais que, tu vois, il y a pas longtemps, il y a une personne qui est venue me parler, une femme qui me disait que, enfin, elle savait, je crois, un moment qu'elle était en PMA, et elle n'en avait parlé à personne, mais personne. Et pour moi, en vrai, mais ça m'a fait tellement de la peine, ça m'a travaillé, hein. Je lui ai dit, même après, je lui ai dit, mais enfin, c'est pas possible de rester dans ta douleur comme ça, enfin, à un moment, il faut que tu partages. Enfin, pour moi, c'est la parole, c'est hyper important, et ça peut sauver, franchement, hein. Je pense aussi. Donc je retiens qu'il faut s'entourer ou pouvoir s'exprimer. Enfin, voilà, il faut pouvoir trouver un exutoire à tout ça parce que sinon on vire fou. Et puis ouais, moi, tu vois, les médecines, je sais que les médecines parallèles, entre guillemets, ça peut aider aussi. Enfin, je sais que ce parcours aujourd'hui, enfin, ouais, moi, je suis plus du tout la même personne. Et puis ça m'a permis de me connecter à mon corps. Et même, tu vois, c'est pour ça, tu vois, la gynéco, ça a été difficile par rapport à la question du poids, mais au final, ben, je dis presque merci aujourd'hui parce que je me sens mieux dans ma peau, c'est clair, enfin. Ça fait partie du cheminement finalement, Ouais. oui. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter du coup pour la suite, pour l'avenir? On pourrait me souhaiter d'avoir un bébé, mais je crois qu'avant tout, comme je t'ai dit tout à l'heure quand je t'avais envoyé un message, enfin, je crois que le plus important, c'est de pouvoir être heureuse sans, enfin. Voilà, de pouvoir me dire que je suis heureuse dans ma vie, même si, voilà, mon projet n'est pas encore abouti, ou peut-être qu'il aboutira pas, mais, enfin, là, tu vois, ça me fait prendre conscience que, en fait, c'est pas le centre de ma vie. Enfin, à un moment, j'ai une vie, j'ai d'autres projets, j'ai d'autres. Et donc, juste, on peut me souhaiter d'être heureuse. Je crois que c'est la base.
Bah, je te le souhaite de tout cœur, je vous le souhaite de tout cœur. Ouais, merci beaucoup d'avoir partagé tout ton parcours et je te souhaite plein de belles choses. Merci à toi aussi. Merci de nous avoir écoutés. Pour ne manquer aucun épisode, suivez Serendipity le podcast sur Instagram et pensez à le soutenir en mettant 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme préférée. Si vous souhaitez vous aussi témoigner, n'hésitez pas à m'écrire via mon compte Insta, je serai ravie d'échanger avec vous. Et en attendant le prochain épisode, souvenez-vous de cette citation de Paul Éluard : « Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous ». Prenez bien soin de vous.